Le père Henri Valençon est prêtre du diocèse de Coutances. Il est aussi membre de l'Institut. Il est professeur au séminaire de Rennes depuis l'an dernier, je crois. Et il a soutenu, il y a déjà un an et demi, une thèse de doctorat à l'école biblique de Jérusalem sur les traditions concernant le prophète Élie dans le Nouveau Testament. Il a aussi publié, il y a déjà plusieurs années, dans la collection Lumen Vitae à Bruxelles, un petit livre sur le livre d'Isaïe, qui était d'ailleurs le fruit d'un mémoire qu'il a fait ici au Studium de Notre-Dame de Vie. Donc c'est aussi un ancien étudiant du Studium de Notre-Dame de Vie. Alors je lui laisse la parole. Merci. Le 13 janvier 1967, donc deux mois, un peu plus avant sa mort, le père Marie-Eugène déclara à Marie Pilla « Si j'avais eu à choisir une devise, j'aurais pris « Traditus gratiae Dei ». À la fin de sa vie terrestre, il voyait en ces trois mots la formule la plus apte à exprimer le mystère de sa vocation. Et il ajoutait « Pour Notre-Dame de Vie aussi, c'est cette devise qui lui convient. Qu'est-ce qu'un enfant de Notre-Dame de Vie? Quelqu'un de « Traditus gratiae Dei ». Non pas à Dieu, mais à la grâce de Dieu. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Livré à Dieu, c'est vague. Cela ne correspond pas à la réalité. Et combien d'âmes sont dans cette illusion? Livré à la grâce de Dieu en moi, à ma grâce, c'est cela la réalité, l'incarnation véritable, l'identification au Christ. De façon significative, ces dernières paroles du Père Marie-Eugène nous ont été transmises par Marie Pilla, la cofondatrice, et en les mettant par écrit, le souvenir des débuts de Notre-Dame de Vie lui revient en mémoire. Et donc Marie Pilla, c'est à cet endroit-là qu'elle met en note, pour la retraite 1935, le 28 juillet, notre Père nous avait donné une relique de la petite sainte, posé sur un carton où il avait écrit comme mot d'ordre « Traditus gratiae Dei ». On trouve une reproduction photographique de ce petit carton à la fin de la biographie de Raymond Reg. Or, cette devise du fondateur et de son institut provient de la Sainte Écriture. Donc, je vais d'abord développer la signification de cette formule chez le Père Marie-Eugène, puis ce sens littéral. Donc aux deux endroits où on la trouve dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire Actes 14, 26 et Actes 15, 40. Donc chez le Père Marie-Eugène d'abord. Nous disposons de notes manuscrites du Père Marie-Eugène sur ses lectures, notamment ses lectures de la parole de Dieu. Une première série en 1921 et 22, et donc sur les Actes des Apôtres, une deuxième série en 1952, 30 ans plus tard. En 1921 et 22, dans sa lecture suivie du livre des Actes, le Père Marie-Eugène recopie Actes 15, 40. Il le copie en latin et je le dis en français. Tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait, livré par les frères à la grâce du Seigneur. Et puis, donc, le Père Marie-Eugène commente, on retrouve plusieurs fois cette expression dans les Actes, entre parenthèses, 14, 25. Elle revêtait un sens particulier à cette époque où l'action de la grâce était en quelque sorte sensible. C'était le Saint-Esprit qui dirigeait les apôtres et organisait lui-même l'Église. Les fidèles reconnaissaient son action, s'y soumettaient complètement, ainsi que le prouve cette expression.
Notons d'abord l'attention du Père Marie-Eugène au sens littéral du texte et à la répétition quasi identique de la même expression dans le livre des Actes. Il l'interprète d'abord dans le contexte du livre. Elle revêtait un sens particulier à cette époque. Puis il se l'applique à lui-même. En marge, en effet, du cahier, il écrit « Soumission à l'action de Dieu ». Autre exemple de ce que citait à l'instant le père Jean-François. Et donc il dit à la fois que les premiers chrétiens s'y soumettaient complètement à l'action de l'Esprit-Saint, et pour lui-même, soumission à l'action de Dieu. Donc il s'identifie purement et simplement à ces premiers chrétiens qui vivaient de cette disposition fondamentale. En 1952, le père Marie-Eugène écrit sur Actes 15, 40, je cite, « La mission confiée extérieurement à Barnabé et Saul par l'église d'Antioche, sur l'indication de l'Esprit-Saint, entre parenthèses Actes 13, 1 à 3, avait été probablement précédée de lumière intérieure donnée à Barnabé et à Saul sur leur mission. Cette mission leur sera d'ailleurs précisée progressivement, spécialement pour saint Paul, par la vision du Macédonien, Actes 16, 9 à 10. Puis il cite « Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile pour Chypre. » Et là, il cite Actes 13, 4. Puis il cite aussitôt après Actes 15, 40, Paul, après avoir fait choix de Silas, parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, traditus gratiae dei a fratribus. Et comme il lit la traduction de Crampon et de Debussy, il commente « La traduction semble faible. Traditus comporte un don et un abandon. » Le père Marie-Eugène ne lit pas le grec du Nouveau Testament, mais la traduction latine très littérale de la Vulgate, ce qui lui permet d'apprécier aussi la traduction, qui lui paraît faible. Nous verrons dans l'analyse philologique de l'expression une confirmation de la justesse de l'appréciation du père Marie-Eugène. Attitude instructive, c'est son intérêt pour la richesse spirituelle de sa formule, en quelque sorte, qui le rend attentif à son exactitude la plus littérale. Ce court commentaire montre aussi la sensibilité du père Marie-Eugène à lier Acte 15, 40 à Acte 13, 1 à 4, en amont du récit, et Acte 16, 9 à 10, en aval. Ce faisant, il interprète ce verset qui lui est cher, non pas tiré de son contexte, mais dans la cohérence narrative large du livre des Actes. Un mot maintenant sur la signification théologique de la formule chez le père Marie-Eugène. Nous savons que le mot « grâce » est d'une richesse de sens et d'une complexité qui le rend difficile à définir précisément. On trouve le mot 155 fois dans le Nouveau Testament, dans des sens trop différents pour lui donner une définition univoque. J'y reviendrai. Le père Marie-Eugène est héritier de nombreux siècles au cours duquel le sens de ce mot a été étudié, précisé, controversé. Et je trouve à la page 462 de « Je veux voir Dieu », ce qui s'apparente peut-être le plus à une définition du mot « grâce », il dit « La grâce est une participation formelle, créée mais réelle, de la nature divine ». Et plus loin, aux pages 1001 et 1002, il dit « La grâce sanctifiante donnée par le baptême est une participation réelle à la vie divine. Elle entre dans notre âme
établit son siège dans la substance comme qualité entitative et prend possession des facultés par les vertus infuses. Elle est véritablement infuse et pénètre dans les profondeurs comme un corps simple, comme une huile répandue et un levain dont on ne saurait arrêter l'action et la pénétration envahissante. L'âme et les facultés sont donc à la fois enveloppées et pénétrées par cette vie divine. En fait, la vie spirituelle n'est pas autre chose que cette progression conquérante de la vie divine par envahissement progressif. Participation créée de la nature divine, participation réelle à la vie divine, la grâce de Dieu est un don qui m'appartient en propre, au point que je peux parler de ma grâce comme de mon pied et de ma main, de ma volonté et de mon intelligence. Établie en l'âme par le baptême, la grâce devient une véritable faculté humaine, tout en étant surnaturelle, me rendant ainsi apte à poser des actes divins. Elle est active et conquiert peu à peu toutes mes facultés et mon âme même. Ainsi, le Père Marie-Eugène part des propriétés de la grâce divine en nous et de son mouvement intrinsèque pour l'étude de la vie spirituelle. Mais il y a aussi une part de l'homme nécessaire à sa croissance. Il dit « Toute la puissance de sa grâce s'affirme dans l'âme par le don complet d'elle-même, qui est la part la plus importante de sa coopération. » Et c'est dans le chapitre de « Je veux voir Dieu sur le don de soi » que jaillit implicitement, sous la plume du Père Marie-Eugène, la formule « Traditus gratiae Dei ». À la page 330, il dit « Le don de soi, indépendant des formes extérieures, n'orientant spécialement vers aucune, mais s'adaptant à toutes, inspiré uniquement par la charité, souple et fervent, large et simple, conduit chaque âme à la réalisation parfaite de sa vocation particulière et la livre à la plénitude de sa grâce. » Cette phrase est riche de la méditation des versets des Actes des Apôtres, je pense, celle que nous analysons. Paul et Silas partent sans savoir où aller. Ils se laissent guider par les signes divins. Livrés à la grâce de Dieu par les frères au début de leur voyage apostolique, ils s'abandonnent à son action et devront le succès de leur mission à cette soumission à l'action de Dieu. Le Père Marie-Eugène a estimé à la fin de sa vie qu'il devait confier quelques aspects de sa vie intérieure, mais il fut sinon d'une très grande pudeur sur lui-même. On ne trouve presque aucun témoignage sur son vécu personnel, à l'inverse d'une tendance actuelle. Cette phrase « Traditus gratiae Dei » dont il a révélé quelques semaines avant de mourir l'importance pour lui et pour l'Institut, il semble n'en avoir pratiquement jamais parlé, au point que Marie Pilla, en la rapportant, se souvient du petit papier de 1935, 32 ans auparavant. Et une recherche informatique dans le corpus de ses prédications ne fait apparaître qu'une seule occurrence de cette formule, lors de la première conférence de la retraite à l'Institut de 1944, le 21 juillet. Et comme presque toujours, au début de la retraite, il appelle au silence. Et cette formule lui sert en ce sens. Il dit « Dieu a enveloppé le monde dans les desseins de sa miséricorde. Dieu, qui a une vue sur nos âmes, nous a enfantés dans le Christ, ici, dans la grâce de Notre-Dame de vie. Vous vous livrerez au silence, à l'emprise divine.
vous vous baignerez en elle. Vous la découvrirez d'une façon plus ou moins sensible et savoureuse. Qu'importe. C'est l'acte de foi qui compte. Le reste est une condition qui permet de faire cet acte de foi et de s'y maintenir. Mais nous pouvons nous livrer sans cela au dessein de Dieu, à cette grâce. Traditus gratiae Dei, c'est le premier geste à faire, et dans ce geste, vous mettrez toute votre reconnaissance pour ce que le bon Dieu a fait pour chacune de vous. À cette reconnaissance qui dilate, ajoutez l'abandon pour l'avenir. Oui, c'est toujours le don de soi indéterminé pour ce que le bon Dieu veut. Voilà la disposition que vous devez cultiver pendant la retraite. Nous pourrions à partir de là résumer en deux phrases le sens que le Père Marie-Eugène donne à la formule « Traditus gratiae Dei ». Traditus, se livrer en silence à l'emprise divine. Gratiae Dei, qualité entitative dans la substance de l'âme. Chemin faisant, nous sommes-nous éloignés du sens littéral de la formule dans le livre des Actes des Apôtres. Peut-être qu'à ce moment, au lieu d'être donné par les frères en un geste ecclésial pour envoyer à l'aventure sur les routes et les mers de l'Empire romain, la grâce de Dieu est devenue une affaire d'âme, intimiste et individuelle. Qu'en est-il réellement ? Donc je passe maintenant à l'analyse exégétique de ces deux versets dans les Actes des Apôtres. D'abord, je propose une analyse narrative, donc dans le contexte global du récit, des formules, et puis une analyse plus philologique sur les deux mots principaux, le verbe livrer et le nom grâce, donc dans le cadre des actes. L'ensemble du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 13 au chapitre 20, consiste pour l'essentiel à décrire les trois grands voyages apostoliques de saint Paul. Ensuite, il est fait prisonnier à Jérusalem, d'où il est conduit jusqu'à Rome pour être jugé par l'empereur. Donc trois voyages. Le premier s'étend de 13-3 à 14-28. Il se termine par le concile de Jérusalem au chapitre 15. Le deuxième voyage apostolique commence en 15-36 et il a pour but de visiter à nouveau les églises déjà fondées pour voir où ils en sont, dit saint Paul. Et le troisième voyage apostolique commence en 18-23 et se termine à Jérusalem. Alors il est important de réaliser, pour en mesurer l'importance, que la formule « Traditus gratiae Dei » se situe exactement au point de départ des deux premiers voyages missionnaires de saint Paul. Elle est donc placée par saint Luc en un endroit clé de la narration. Et pour le voir, c'est un petit peu complexe. C'est pour ça que je vais essayer de l'exposer le plus clairement possible maintenant. Parce que saint Luc est parfois sophistiqué dans sa manière de raconter les choses. Alors en 14-26, c'est la fin du premier voyage apostolique. Verset conclusif. La phrase est complexe. Ceux pour qui la langue française n'est pas la langue maternelle, il y a une concordance des temps qui n'est pas facile à saisir. Il est dit ceci. De là, ils firent voile vers Antioche, leur point de départ, où ils avaient été livrés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Donc le voyage finit où il a commencé, à Antioche, et nous découvrons en fin de récit ce qui s'est passé au tout début et qui explique après coup le succès de la mission. Leur point de départ, donc Antioche, où ils avaient été remis à la grâce de Dieu. Ils, c'est Paul et Barnabé, et la phrase est au pluriel, livrés à la grâce de Dieu, traditi gratiae Dei, cette première fois.
Mais donc cette phrase, qui là où ils avaient été livrés à la grâce de Dieu, nous renvoie au tout début du récit, qui a lieu au chapitre 13, versets 1 à 4. Donc je cite ces quatre versets. « Il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabé, Simon appelé Niger et Lucius de Cyrène, Manaen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Se trouvant ainsi envoyés par le Saint-Esprit, Barnabé et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Donc Barnabé et Saul sont d'abord comptés parmi les prophètes et enseignants, deux ministères qu'on trouve dans la primitive Église. Ils sont cinq, et Barnabé et Saul sont mis à part. Il en reste donc trois, Niger, Lucius et Manaen. Petite note sur ce Manaen, contemporain et compatriote de Jésus, puisqu'il est dit ici « compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, qui était gouverneur de Galilée pendant la vie terrestre du Christ ». Donc on retrouve ici à Antioche un homme qui, en fait, est de Galilée, certainement. Luc, d'ailleurs, a eu contact avec ce milieu des contemporains et des compatriotes de Jésus, dans la proximité d'Hérode. Il parle aussi, en Luc 8, 3, de Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Donc intéressant, oui, ces petits liens qu'on peut établir et qui nous permettent de reconstituer quelque chose des liens que Luc a avec les témoins oculaires de la parole, comme il le dit. Donc, ces trois hommes, Niger, Lucius et Manaen, livrent Paul et Barnabé à la grâce de Dieu. Comment ont-ils fait ? C'est décrit au cours d'une liturgie dominicale, au sens propre, Laiturgunton Tokurio, Seigneur. Durant un temps de jeûne, l'Esprit Saint a parlé. Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Véritable apparition vocale de l'Esprit Saint, qui en appelle deux pour son œuvre à lui. Et au verset 4, ces deux-là sont dits envoyés par le Saint-Esprit. Nous voyons là l'Esprit Saint qui parle, qui appelle et qui envoie des prophètes. Il occupe la place d'Adonai dans l'Ancien Testament. Donc après cette parole de l'Esprit Saint en pleine liturgie, suit un nouveau temps de jeûne et de prière. Et donc Niger, Lucius et Manaen imposent les mains à Saul et Barnabé et les laissent partir. Alors donc en acte 13, 2, au tout début de la première mission apostolique, et en acte 14, 26, à la fin, la même expression est utilisée pour l'œuvre, to ergon. La première mention au tout début, c'est l'Esprit Saint en personne qui l'utilise dans sa parole pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la seconde, en 14, 26, il fait référence implicitement pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie, Saul et Barnabé. Parfaite correspondance entre la mission confiée et réalisée. À ce stade, il semble y avoir stricte équivalence entre l'Esprit Saint qui appelle et envoie, en 13, 1-4, et la grâce de Dieu à laquelle Barnabé et Saul ont été confiés. Tâcherons de découvrir quand même une distinction possible. Pour approfondir encore cette formule, acte 14, 26, lisons-la en lien avec le verset suivant, le 27. À leur arrivée,
donc Paul, parce qu'il s'appelle Paul. À ce moment-là, il a changé en 13-7 de nom. Donc Paul et Barnabé, ils réunirent l'Église et racontaient toutes les choses que Dieu avait réalisées avec eux et surtout comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Le récit donc de Paul et Barnabé à l'église d'Antioche est résumé par ces mots brefs, toutes les choses que Dieu avait réalisées avec eux. Donc, l'œuvre qu'ils avaient accomplie au verset 26 correspond à toutes les choses que Dieu avait réalisées avec eux au verset 27. Choses que Dieu a réalisées avec eux. Admirable expression pour dire la coopération entre l'Esprit Saint, nommé ici Dieu, et puis Paul et Barnabé. Dieu étant l'acteur principal et nos deux prophètes enseignants, les acteurs secondaires. On retrouve cette expression paulinienne, des collaborateurs de Dieu, synergoi, théou, en 1 Corinthiens 3,9 et 1 Thessaloniciens 3,2. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Et dans le récit que donc Paul et Barnabé font à l'église qu'ils réunissent pour leur dire tout ce qu'ils ont fait, l'église d'Antioche, ils se sont eux-mêmes éprouvés comme collaborateurs de Dieu. Dieu a fait tout cela avec nous. Et c'est là qu'il est possible de discerner une nuance de sens entre l'Esprit Saint qui appelle et envoie, en 13:1-4, et la grâce de Dieu à laquelle il est dit qu'ils ont été livrés en 14:26. Entre les deux, l'œuvre a été accomplie et réalisée. Elle n'est plus seulement œuvre de l'Esprit Saint, mais aussi conjointement œuvre de Paul et Barnabé. Et il faut citer ici un commentateur, John Fitzmyer, qui dit 14:26 rappelle 13:2-3 l'inauguration de la première mission sous la conduite de l'Esprit-Saint qui n'est pas appelée grâce de Dieu. De telles expressions ambivalentes nous amènent au temps de la distinction théologique tardive entre la grâce incréée de Dieu, l'Esprit, et la grâce créée, communiquée aux hommes. Et donc finalement, la conception scolastique de la grâce infuse du Père Marie-Eugène apparaît ici comme une explication doctrinale suggérée par les nuances narratives des Actes des Apôtres. Grâce de Dieu, en 14:26, occupe la place intermédiaire entre œuvre de l'Esprit-Saint, en 13:2, et œuvre de Dieu avec Paul et Barnabé en 14:27. C'est elle la grâce de Dieu qui établit coopérateurs de la même œuvre, acteurs divins et acteurs humains. L'Église, mystère de grâce, en elle se réalise cette participation réelle à la vie divine. Acte 15, 40. Deuxième expression. Tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait, livré par les frères à la grâce de Dieu, traditus gratiae domini. Tandis qu'en 14:26, la formule était au pluriel, traditi gratiae dei. Et à la fin du récit du premier voyage apostolique, ici elle est au singulier et en tête du récit du deuxième voyage. Elle n'est pas gratiae dei, mais gratiae domini. Donc la formule du Père Marie-Eugène, une sorte d'hybridation entre 14:26 et 15:40. Alors reprenons le fil du récit des Actes. Après le concile de Jérusalem, chapitre 15, à la charnière entre la première et la deuxième mission apostolique, donc Paul et Barnabé sont envoyés à nouveau à Antioche avec d'autres délégués pour porter le décret du concile et transmettre le message. Alors que la première fois, c'est Barnabé qui est allé chercher Saul à Tarse pour l'emmener à Antioche, acte 11,
25-26. Là maintenant, c'est Paul qui prend l'initiative sur Barnabé et l'engage à retourner au lieu déjà évangélisé par eux. Mais Paul, ne voulant pas prendre avec lui pour ce deuxième voyage Marc, comme le voulait Barnabé, il se sépare sur ce grave désaccord. Et donc, juste avant notre citation, on a, verset 39 du chapitre 15, « Leur désaccord entre Paul et Barnabé s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait, livré à la grâce du Seigneur par les frères. » Le rôle des frères dans le don de la grâce divine intervient justement dans un contexte de crise fraternelle aiguë. Quelques mots sur ces liens entre Paul et Barnabé pour mesurer la gravité de la séparation entre deux. En acte 9, 26-27, arrivé à Jérusalem, Saul essayait de s'agréger aux disciples, mais tous avaient peur de lui, n'arrivant pas à le croire vraiment disciple. Barnabé le prit alors et l'introduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur la route, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Donc c'est quand même, Paul a une énorme dette auprès de Barnabé quand même. Et puis donc Barnabé est missionné ensuite par les apôtres à Antioche. Et là encore, Saul, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il est chez lui, à Tarse. Il ne semble pas avoir vraiment commencé sa mission. Peut-être qu'il a du mal à trouver du crédit auprès des communautés. Et c'est Barnabé qui va le chercher à Tarse pour l'amener à Antioche. 11-26. Donc il l'y trouva, Barnabé trouve Paul à Tarse et l'amène à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église et à instruire une foule considérable. Et puis de ce premier voyage apostolique, on estime qu'ils ont fait ensemble 2240 kilomètres. Quand même, forte union entre ces deux hommes. Et là, pour une question qui nous paraît quand même un peu légère presque, mais on ne sait pas le tout détail, mais enfin, choix de Marc, eh bien, ils se séparent, leur désaccord devient grave. Cela dit, en 2 Timothée 4,11, Paul dit à Timothée, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. » Et il le nomme parmi ses collaborateurs en Philémon 24. Donc finalement, Paul lui-même a probablement évolué sur le sujet. Mais je trouve qu'il y a aussi là un réalisme et une sagesse admirable, d'une part que les actes des apôtres, Saint Luc ose nous retransmettre, et savoir se séparer au bon moment quand l'irritation atteint un degré suffisamment aigu pour éviter de se rendre une situation invivable en la laissant durer. Donc c'est à ce moment de la séparation de Paul et Barnabé que les frères livrent Paul à la grâce de Dieu. Il semble que cette dissension navrante n'empêche pas la grâce de Dieu de passer par d'autres frères, comme si Dieu n'en tenait pas trop rigueur à Paul de cette décision. Et notons encore que la formule est impressionnante, car comme en acte 14, 26, la grâce de Dieu est le lieu où se fonde la coopération de l'humain et du divin. Les frères sont ici le complément d'agents du verbe livrer au passif. Et l'Esprit Saint a dû lui-même se livrer au pouvoir des frères pour qu'ils puissent par eux-mêmes livrer quelqu'un à la grâce de Dieu. L'initiative des hommes dans la construction de l'Église, et on pourrait même dire cette causalité efficiente à l'œuvre, ce sont ces hommes qui livrent Paul à la grâce de Dieu. Quelques mots de philologie sur le verbe livrer, paradidomi, et le nom grâce, qui fait le point commun entre ces deux versets. Nous avons vu qu'à propos d'une traduction que le père Marie-Eugène trouvait faible, il précisait « Traditus comporte un don
et un abandon. Don et abandon, bonne et brève synthèse philologique du verbe paradidomie, grâce à la traduction de la Vulgate qui excelle à restituer dans toute leur force les mots grecs. Le père Spic, dans son lexique théologique du Nouveau Testament, relève sept sens de paradidomie livrée. Le premier est celui de livrer, remettre quelque chose à quelqu'un. Jésus, ayant incliné la tête, remit son esprit. Jean 19, 30. Et puis, un autre sens, c'est, il cite 1 Pierre 2, 23, s'en remettre à celui qui juge avec justice, et de là, recommander, dit-il. Paul et Barnabé sont recommandés à la grâce de Dieu, c'est-à-dire, dit Spic, mis sous la protection du Seigneur, confiés à sa puissance, tant pour leur sauvegarde personnelle que pour le succès de leur mission. Il cite 1 Corinthiens 13, 8, quand je livrerai mon corps aux flammes. Dans un autre sens, c'est le verbe de la transmission à propos de doctrine, la tradition, livrée. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, dit Paul. Et Saint Luc, dans son prologue, ce que nous ont transmis, toujours le même verbe, ceux qui furent dès le début témoins oculaires. Et puis le verbe trahir, Judas, c'est « au paradous », le traître, celui qui livre. Selon Spic, l'innovation du Nouveau Testament est de faire de « paradidonai » un terme technique de la passion de Jésus. C'est le verbe employé tant par le maître dans les prédictions de sa passion, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes, que par les évangélistes et saint Paul qui la mentionne. Et alors, ce qui est admirable, c'est une sorte de plasticité du mot qui lui permet de contenir beaucoup de sens en même temps. 1 Corinthiens 11, 3. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai livré, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré. On a le même verbe, en fait, qui dit à la fois la passion de Jésus et l'acte de transmission de la doctrine. Acte de tradition apostolique qui est un don de soi similaire et qui continue l'offrande de Jésus au Père pour les hommes dans sa passion. Transmettre, c'est se livrer, s'offrir en sacrifice. Saint Luc utilise à dessein le verbe typiquement évangélique au cœur des récits de la Passion dans les quatre évangiles pour représenter la continuité entre Jésus et les apôtres, entre la Passion du Christ et la mission de l'Église. Quant au mot « grâce », on le trouve 25 fois dans l'œuvre lucanienne, Évangile et Actes, et dès le départ, évidemment, avec l'Annonciation. Réjouis-toi, gracié, le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut troublée, Marie, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. En forçant un petit peu le texte, on pourrait dire, Marie est troublée d'être nommée gracié, et elle réfléchit sur la signification de ce mot. Et l'ange lui fait un peu l'exégèse de son annonce en lui disant « Gracié, ça veut dire « tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Donc la grâce ou faveur de Dieu qui est devenue une qualité qui appartient propre à l'être de Marie. « Gracié, tu as trouvé grâce ». Et puis le mot a aussi sens de puissance pour parler et agir. Il est dit des apôtres,
Il rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Et Étienne, plein de grâce et de puissance. La formule grâce de Dieu, elle est la grâce de Dieu est d'abord en Jésus. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Elle est aussi sur l'église d'Antioche. Quand Barnabé y est pour la première fois, arrivant, il voit la grâce de Dieu. Et tout au long du livre des Actes, ensuite, la formule grâce de Dieu jalonne le récit. On la trouve uniquement dans les discours de Paul et uniquement dans le récit des trois voyages missionnaires. Elle forme le contenu même de son enseignement. Grâce de Dieu, c'est à la fois ce qui est transmis, le contenu. Acte 20, 24. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et au verset 32, juste après, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et encore, acte 15, 11, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons avoir été sauvés. Et puis grâce de Dieu, c'est aussi l'acte de transmettre. La puissance qui entoure le prédicateur. Livrer à la grâce de Dieu pour celui qui livre, c'est confier le dépôt de la foi à d'autres et conférer une puissance divine qui donne légitimité et efficacité à ceux qui transmettent. Et être livré à la grâce de Dieu pour celui qui est livré, c'est recevoir ce dépôt de la foi avec la puissance de l'Esprit-Saint, et se donner tout entier jusqu'au sacrifice de sa vie pour qu'il accomplisse son œuvre de transformation en nous et en ceux auxquels nous sommes envoyés. Une conclusion. En lisant Actes 14, 26, le Père Marie-Eugène s'applique à lui-même le verset. Il écrit en marge de son cahier, je l'ai dit, « Soumission à l'action de Dieu ». Il alimente sa vie spirituelle personnelle à partir de cet exemple de la génération apostolique. La formule « livrée à la grâce de Dieu » dans les Actes des Apôtres, c'est un geste ecclésial d'imposition des mains, quasi liturgique, pour envoyer en mission Paul et Barnabé, puis Paul et Silas. Chez le Père Marie-Eugène, cette formule décrit le mouvement par lequel l'âme accueille en elle l'action de l'Esprit-Saint pour sa sanctification. Se livrer, c'est s'abandonner. La grâce de Dieu, c'est la vie surnaturelle en moi. C'est ma vocation propre. Se livrer à la grâce de Dieu, c'est occuper la place qu'il m'a préparée de toute éternité dans l'Église. Ce faisant, le Père Marie-Eugène transforme la formule narrative du livre des Actes d'une manière caractéristique de toute exégèse véritablement chrétienne, qui ne lit pas seulement les textes comme des informations sur le passé, mais comme une parole de Dieu adressée à moi aujourd'hui. Le Père Marie-Eugène opère ce que Jean-Louis Chrétien nomme, s'agissant de l'exégèse d'Origène, à la fois un court-circuit, il ne s'attarde pas sur le sens passé de l'expression, il le prend immédiatement pour lui, et une activation spirituelle du texte. Donc Jean-Louis Chrétien dit d'Origène, un court-circuit saisissant fait passer Origène de la dimension cosmique où cette phrase est prononcée à une dimension d'intériorité et d'intimité où cette terre devient moi. Ce court-circuit, c'est l'éclair de l'esprit, c'est le plus court chemin vers l'activation spirituelle du texte. Seul peut entendre la parole de Dieu comme un éclair, celui sur qui elle tombe comme la foudre. Une foudre qui délivre la liberté prisonnière. Sinon, s'en occuper n'est qu'un passe-temps comparable à des mots croisés subtils.
Si le Père Marie-Eugène donne à la formule du livre des actes une dimension d'intériorité et d'intimité, il n'en fait pas pour autant une lecture individuelle. Elle garde chez lui tout son sens ecclésial et apostolique. Et je pense que c'est cette signification tout autant personnelle qu'ecclésiale, tout autant spirituelle qu'apostolique, qui l'a frappé. Nous pourrions dire que « traditus gratiae Dei » est un principe antérieur à la distinction de l'oraison et de l'apostolat. Une formule de mystique apostolique. Je l'ai cité au début, à la fin de sa vie, le père Marie-Eugène dit « Si j'avais eu à choisir une devise, j'aurais pris traditus gratiae Dei », en ajoutant aussitôt « pour Notre-Dame de vie aussi ». C'est la devise qui lui convient. À travers cette parole, le père Marie-Eugène identifie le plus étroitement possible sa vocation personnelle et celle de son institut. Aux antipodes d'une lecture individuelle, cette parole biblique a joué auprès du père Marie-Eugène un rôle inspirateur certainement décisif, nourrissant son intuition pour l'Institut Notre-Dame de Vie. Acte 14-26 fait partie de ces nombreux sommaires qui rythment le récit du livre des Actes des Apôtres. Daniel Marguera définit ainsi le procédé narratif du sommaire. Il dit « Le sommaire annonce un programme de communauté en l'érigeant en modèle et en l'inscrivant dans l'histoire. L'intention de Saint-Luc est bien de décrire le mode de vie de la première Église comme tradition apostolique fondatrice pour toute l'Église jusqu'à la parousie et normative pour les générations suivantes. Ces sommaires sont destinés à être le lieu d'inspiration où puiser pour orienter sa vie chrétienne et guider les communautés chrétiennes. De nombreux fondateurs d'ordres religieux et de communautés ont puisé leur inspiration fondatrice dans ces sommaires du livre des Actes. Je cite juste une ou deux phrases qui évoqueront en vous de nombreuses implications communautaires. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Ils étaient un seul corps et une seule âme, etc. De la même manière et de façon profondément originale, le père Marie-Eugène déchiffre sa vocation personnelle et celle de l'Institut, identique, dans la tradition apostolique, dans ses lois générales de la vie de l'Église, que Saint-Luc tire à partir du modèle de vie de la première communauté chrétienne. Parole au principe des deux premiers voyages apostoliques de Saint-Paul, traditus gratiae Dei a provoqué encore un nouveau voyage apostolique au XXe siècle, la fondation d'une nouvelle petite cellule d'église qu'est l'Institut Notre-Dame de Vie. À lui-même en 1921 au séminaire de Rodez, aux premières femmes qui se réunissent à Notre-Dame de Vie en 1935, à tout l'Institut en 1967, il donne comme expression de notre vocation commune ce simple mot d'ordre dont vivait la primitive Église, « Traditus gratiae Dei ». Une fois qu'on a été attentif à l'importance de cette formule chez le père Marie-Eugène et dans le livre des Actes, on retrouve un peu partout dans son enseignement des échos de cette formule. Et je cite pour finir un extrait d'une conférence de 1961 au Mexique, à Mexico. Il dit « Je me permets de former pour vous un vœu. Ce vœu, c'est que vous vous efforciez désormais de prendre conscience de la présence de Dieu, de savoir que vous êtes ses collaborateurs. C'est que la première préoccupation de votre vie soit de vous offrir à lui pour qu'il soit le maître et qu'il vous domine progressivement. C'est que votre travail soit un travail d'offrande, de prise de contact avec lui, de prise de conscience de sa présence, de son action, un travail sous sa domination. L'Esprit-Saint qui est dans l'Église, comme l'âme de l'Église, est aussi dans la vôtre, comme votre âme. Il veut certainement vous dominer, vous sanctifier
et vous prendre pour ses collaborateurs pour cette œuvre d'édification du corps mystique du Christ.